Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici Pilobil, bienvenue. J'espère que vous allez bien, salut bien Jo. Effectivement, ça me fait aussi plaisir de te voir. C'est bon de te voir. Et bonjour Michael C'est Red, bon de te comment voir. vas-tu toi aussi? On va continuer Uncharted 4, on est toujours au même endroit. Je dois vous avouer que je ne suis pas très content de repasser là ce passage de ces morts. Mais on va y arriver un jour peut-être. Promis, j'espère. Oui, hier je n'ai pas été sur la PSTH TV. Tu l'as très bien écrit, c'est incroyable. Parce que très fatigué, j'ai bossé dimanche pour le taf. Donc c'est du boulot, c'est pour ça que c'est bossé. Et ils m'ont fait terminer très très tard, enfin beaucoup plus tard que ce que je pensais que ça allait être au départ. Par contre tu t'accroches, oui merci, il est déjà là lui, ok. J'espère que ça va pas te emmerder. Donc, ah oh, vas-y. Les autres vont être alertés ou pas? Non, ça va. Ce qui fait donc très fatigué, pas beaucoup dormi là, dimanche à lundi. Et lundi soir, enfin je me suis dit lundi soir je vais me coucher tôt. Enfin lundi soir, ouais je vais me coucher tôt, sauf que j'ai joué avec un ami à partir de 18h à Returnal. Et enfin j'ai dû arrêter la partie à un moment donné, je lui ai dit écoute on va s'arrêter là parce qu'à 23h15 on n'avait pas encore fini la run qu'on était en train de faire. Je suis ouais non c'est bon, à un moment donné il faut que j'aille quand même dormir. Donc j'ai... Enfin je me suis... La nuit de dimanche à lundi c'était quand même minuit, hein, le dodo, pour le taf. Un peu fatigué. Hop, on reconnaît ça. Après, c'est le monsieur là-bas, mais il faut attendre qu'il repasse. Se coucher tôt, ouais, c'est ce que tu dis finalement. Bah, tu te couches pas tôt. Hein. Tu te couches pas tôt. Non, mais Returnal, c'est un jeu. Purée, c'est. Ça peut prendre du temps, les runs. Effectivement, il m'avait dit que ça pouvait durer longtemps. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais on a très bien avancé, hein. On m'a fait gagner plusieurs jours, semaines de jeu, enfin plusieurs heures, qui seraient réparties en semaines, certainement. Mais il y a encore plein de trucs à faire sur le jeu. Et vendredi, j'ai pas stream parce que. Parce que c'était quoi déjà vendredi? Oui, j'ai dû aller à la commune. Donc à la commune, tu sais quand tu vas, tu sais jamais quand tu ressors. Et puis j'ai dû appeler le médecin parce que j'avais très mal les dernières fois à l'épaule. Lundi, c'est la voiture de ma mère qui était en rade, plus de batterie. Donc maintenant, elle a une nouvelle batterie, ça devrait aller pour l'hiver en plus. Et hier, mardi, on m'appelle pendant que je fais ma tournée, les mécanos, ils font oui, contrôle technique de ton bus. Je fais ah, bon. Bah ok, je reviens. Bon, là on a cette partie-là. On a encore 4 mecs. Le but, mais on le voit pas d'ici. Ça serait... Il faudrait que soit je passe. Ah, il y a encore 5 mecs. C'est vrai qu'il y a lui aussi. Il y en a déjà 10 de trop encore dans cette salle. Il y en a plus que 5. Enfin, c'est 4 ou 5? 1, 2... Ouais, non, il y en a encore 5. Si j'y vais, je peux faire repérer à mort. Faut que j'arrive quand lui il est pas là. Quand lui il regarde là-bas. Essayer de retomber en bas. Enfin, tomber en bas. Ça paraît clair, mais voilà quoi. Faut. On a peut-être dû y aller maintenant. Non, j'ai bien fait de pas y aller, je crois. Ah, et toi Mika, comment vas-tu? Et toi aussi, évidemment, bien joué, comment... Bah, mon épaule, ça allait mieux, sauf que là, mon bus, comme je dis, contrôle technique, il y a plein de trucs à faire dessus. J'ai un bus de remplacement. Toi, ils m'ont pas vu. Et... Ça repart. Ça allait mieux. Là, c'est en train de repartir un peu... Enfin, un peu mal hier et ce matin. Donc, on va dire, tant que j'aurai ce bus-là, j'aurai peut-être encore un peu mal. Je suis conducteur de bus, oui. Ouais, tu préfères quand tu tombes en haut? Ouais, mais je peux tomber de haut par contre, hein, ça, je sais le faire. Mais tomber en haut, j'ai encore un peu du mal. Monter en bas, ça, je t'ai déjà expliqué que je pouvais le faire.
Ah, ta-da-ta. Tu viens de passer 2 minutes à te demander pourquoi ton deuxième écran marchait pas, t'avais juste éteint hier soir. Have you tried turning off and on again? Si vous avez regardé la série The IT Crowd, série anglaise de 24 saisons de 6 épisodes chacun, donc 24 épisodes en tout, ou qui parle sur les. Les informaticiens d'une entreprise de, je crois, bancaire. Et à chaque fois, les mecs, ils appellent pour dire qu'ils ont un souci à leur PC et eux, ils répondent, est-ce que vous avez allumé là votre machine là? Est-ce qu'il y a le bouton qui clignote ou pas? Je les ai passés un peu en furtif en même temps, hein. Enfin furtif mais en les tuant. Que si on peut peut-être éviter. Enfin, quoi qu'après, si je déclenche la bagarre, ça va être chiant d'avoir les gens derrière. Mon but, en fait, est-ce qu'on le voit d'ici? Pas encore. Pas encore. Putain. Eh merde, salaud. Non, 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 oh non, ça va, il y a du sol en dessous. Il y a du sol en dessous. Là, par contre, il n'y a pas de sol. Mais de où il tire? Je les vois. Je les vois pas. Je vois pas, il faut que j'aille par là. Dommage. Bon, après, c'est ceux-là. Ah ouais, non, 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 par contre, toi, ça va pas. Oh, vous deux! Ça va pas le faire. Non. Les deux dont un pompe en plus. C'est bon. J'espère que les autres sont pas déjà alertés, mais je crois que si. Allez, ah mais non, mais ils sont encore deux ici. Ouf. La tête là, ça a dû faire mal hein, sur le mur. Il est là. Redescends, monsieur. Descends là. Ils vont venir. De quoi, de l'avoir tué? Je suis désolé, monsieur, je voulais passer. C'est vous qui avez commencé. Moi, je voulais passer. Enfin, non, c'est moi qui ai commencé à tuer le premier. C'est bon. C'est, je crois, le dernier de cette séquence. Non, c'est faux. C'est carrément une fausse information. Il y en a au moins encore deux. là là. Ouais, mais après, ça s'apprend à conduire un bus, hein. Ça s'apprend. Rassurez-vous. Putain. Ça ressemblait tellement facile dans la vidéo. Mais je crois que dans la vidéo, le mec, il a une aide à la visée. Hein. C'est pas possible. Il les shootait trop rapidement, trop facilement. Il y en a encore un, en principe. Jamais de munitions, c'est vrai qu'il n'y a jamais de munitions dans ce jeu. C'était un truc qui était effroyable. Les trois premiers, j'étais souvent quand même à plein de munitions, plein d'armes. Enfin, plein de munitions pour mes armes. Là, c'est vrai que je suis toujours à la dèche. Ouais, ça a activé. Ils sont déjà là, ceux d'après. Une Micra, c'est le même gabarit que la Twingo, et pour le garer, c'est toujours une partie. Ouais, mais vous savez, j'ai parfois du mal. Hein. Moi, j'ai une Opel. C'est pas la Corsa, c'est. Si, c'est une Corsa, mais un peu plus longue. Et du coup, les créneaux, ce genre de choses. L'autre jour, j'en ai fait un parfaitement du premier coup, j'ai été étonné, et j'en ai refait un hier, ça a été la galère. Non, non, tombe pas, ouais, enfin, tombe pas dans des trous de mort. Mon but, ce que je disais, c'est d'essayer, je crois, ouais, de monter sur cette, enfin, plus ou moins cette tour. Ça s'arrête plus ou moins là. Et en fait, je vais pouvoir accrocher mon grappin là-dessus, et que si je fais ça, bah, j'ai fini la zone. Mon but, c'est ça. Enfin, ça serait de faire ça. Maintenant, je le rappelle, ils sont pas au courant que je suis là. Il y a au moins un, voire deux monsieur
en grosse armure à la Gatling, là. Je le rappelle. Ils sont un peu chiants si on essaie de passer. J'ai toujours peur qu'ils s'y accrochent pas. Hein. Et il y a plein de bonhommes, mon but. Ouais, c'est carrément pas possible de... Il n'y a pas un chemin ici qui me permettrait... Enfin, difficilement... Mais non, 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 t'as pas pu. Vous n'avez pas pu, monsieur l'agent. Vous montez. C'est là-haut. Il est mort. C'est son cadavre qui vient de tomber. Du coup, le mec... Oh, ouais, 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 c'est vrai qu'il y a un lance-grenade. C'est vrai qu'il y a un lance-grenade. Mais vas-y, le mec, il avait vraiment une idée à viser. Hein. Parce que... Et voilà, là, le mec, je réactive les messages parce qu'il me parle, machin, évidemment. Il faut qu'il ait... Non, mais je suis pas disponible, là. Je suis sur Uncharted, à un moment donné. Laisse-moi jouer Uncharted aussi. J'aimerais bien, parce que... Il sait que je suis en live, hein, le jeudi, et normalement le mardi soir, mais là, le matin, c'est vrai que je lui ai rien dit. Non, c'est pas ça. Non, là, le jeu, là, arrêtez. t'as pas répondu. Oui, tu m'as pas répondu, ça va, mais fatigué. Et samedi matin, tu es tombé dans les escaliers. Ah oui, chez Lesteux, effectivement, t'as mal partout, oui. Ah ben, bienvenue dans l'équipe des bras cassés, façon de parler. Ah ouais, non, ça va, c'est la douleur. Enfin, mal partout, mais supportable quand même. T'as des médocs, des antidouleurs, ce genre de choses, ou... Enfin, t'as mal, mais tu supportes. Ah, mais il y a un mec là en bas aussi. Bah ouais, non, ça va, il est mort. Il y a une arme là. Ah, la Gatling est là-bas. Est-ce que... C'est quoi, c'est R1 les grenades? C'est R1. Comment j'annule mon lancer? Non. Merde! Mais allez, la grenade jusque là, moi j'y arrive pas, eux ils y arrivent, ils font hier. Yeah. Ils font chier. Yeah. Franchement, l'objectif d'aujourd'hui, 2h, on est mercredi, donc c'est que 2h30 le live, c'est quand même de passer le passage. Hein. J'ai envie de dire, si je réussis pas, je le fais hors live, en filmant. Et je montre hors live la vidéo, hein, parce qu'à un moment donné, il faut que j'avance, moi. Hein. On est quand même en live, ça serait bien de faire des trucs intéressants, de voir autre chose que ça pendant 5 heures. Ouais, lui qui fait déjà pas son tour habituel. Parce que, on a fait combien d'heures là déjà là-dessus la dernière fois, au jeudi? On a fait que ça, plus ou moins. Ah, t'as pas mieux, t'as mal à cause du travail de l'ostéo principalement, ouais. Et visiblement, tu n'es pas raté. Ah, sympa si elle rigole après. Tu devrais vivre du papier bulle, ah ouais, effectivement. Genre, la maladie des œufs de verre. Non, mais allez! Ils respectent pas leur timing, les gens. L'autre, il va venir. Voilà. Tu dégages. Il est descendu. Mais allez hein. Mais...
Et j'ai pas compté la première mort. C'est la deuxième. On se bien. Ouais, ça serait pas mal de vivre dans du papier bulle, ouais. Ça va amortir peut-être pas mal de dégâts. Il faut peut-être mettre une bonne couche, hein. Non, ils ont repéré Sam. Ouais, bah la chance pour le moment elle s'arrête ici, jusqu'ici. Hein. Elle continue, elle s'arrête ici, elle veut pas aller plus loin. Elle est fatiguée elle aussi, elle fait ah non, non, vacances, vacances. Allez. Ah, vas-y mec, on dit tout de suite quand t'emmerdes là, aboyer comme ça là. C'est moi qui respecte pas le planning. Je l'ai tué quand celui-là était juste là. J'étais trop tôt. Enfin ouais, après en même temps vu qu'ils respectent pas leur chemin habituel. Allez, on va réussir. C'est facile. C'est juste 25 ennemis à tuer. Même si je les ai pas comptés, donc je sais pas exactement combien ils sont. Hein. Enfin, mais ils sont pas loin. Je viens de quoi? 1, 2, 3. C'est le cinquième que je viens de tuer ici. Ouais, non, moins 10 sur cette première séquence. On a 4 sur la deuxième. Ouais, on est pas loin des 25, hein. On doit être pas loin des 25, vraiment. Un petit silencieux, comme d'hab, ça manque toujours. Alors, il y en a un, à un moment donné, pendant 5 minutes, toi, qui va venir aux alentours ici. Il va venir plus près des hautes herbes. Regarde là, il y a un petit Pokémon là. Salaud, et si je le tue, il va se faire voir. Ils vont être en alerte. Donc c'est lui, il faut que j'arrive à sauter dans l'herbe, sur le rebord, et j'essaie de la gripper pour le faire tomber. On verra. J'espère qu'il se ramène dans les hautes herbes. Il le fait souvent quand je suis pas là. Quand je suis là, il vient jamais dans les hautes herbes, le salaud. Il le fait pas. Il ne le pas faire. Le timing est pas bon, on me laisse pas le temps de passer là. Enfin, pas par ici. Ah non, il se rebarre à chaque fois. Pas comme ça. Je sais que je suis lent, mais je sais quand même d'entuer le... Aïe aïe aïe. Ouais, flûte. Il est mort. Lui, il est mort. Lui, il a perdu son casque seulement. Quoique. Il est mort ou il est... Non, il y en a en haut, je crois. Ouais. On a vu son ombre. Ah oh bah c'est lui, c'est celui qui avait perdu son casque, il est venu ici. Je crois que je l'ai eu. J'ai eu le symbole du headshot.
Non mais la grenade elle est quand même pas restée avec moi, on est d'accord, elle est en bas. Et il me tire, merci pour... Ah mais il y en a un autre, merci pour les 10 bits, merci. Merci toujours, du soutien. Ah non, vas-y mec. Oh, t'es relou. Bon, mais même finalement, lui le tuer comme ça, ça serait pas possible. Hein. Mais il y en a encore qui me tire. Incroyable. Ouais, donc lui, il faut potentiellement que j'arrive à me cacher comme ça, mais avec l'autre ici, en bas, il me voit. C'était même pas une bonne idée d'aller pareil. Venir essayer de tuer lui en premier. Super. Super, les bonnes infos. On adore. Alors, son arme en haut. Je pourrais venir en arrière au pire normalement pour récupérer l'arme. Mais arrêtez les gens d'être là à chaque fois à ce moment-là du jeu là. Et l'outil de Jean. Tu peux pas aller sur une plateforme sans te faire repérer, c'est incroyable. Purée. Génial ce jeu. Et comme t'es en extrême, t'as pas la jauge de repérage là pour savoir si les gens hein, ils sont à côté. Enfin, s'ils te repéraient pas, de toute façon même s'il y a la jauge. En extrême, elle se vide en 2 secondes. Enfin, elle se remplit en 2 secondes, plutôt. Donc, j'aurais même pas le temps de me recacher que je suis spotted, directement. C'est qu'il y a... Enfin, à part en facile, hein, où tu peux... Tu t'en fous des mecs, tu passes, tu traces, ils te tueront pas. Je peux pas le faire hein, en extrême. Hein. Sinon, je l'aurais déjà fait. Hein. Croyez-le. Bah j'y ai cru. Je pensais quand même tenir un petit peu plus longtemps pour pouvoir tuer un ou deux mecs avant de me faire repérer, peut-être. Je pensais pas que ça allait eux qui allaient me repérer direct. Et lui, il est pas... Il devrait être là-bas, en principe. Non, mais tu m'as pas vu. C'est une fausse information. Tu penses avoir vu quelque chose, tu n'as rien vu, monsieur. Et ça me tue. Enfin, ouais, je l'ai déjà dit, hein, ça me tue, mais... Ils viennent pas. Ils voient un truc, ils pensent voir un truc, et ils restent à 5... À 10, 15 mètres. Qu'est-ce que tu veux fouiller, voir si t'as vu quelque chose à un endroit, si tu n'y vas pas. Enfin, ils veulent rester en vie, c'est malin. Mais c'est pas logique. Et ils font même pas, à la limite, l'expression classique. Ça devait être le vent, ce genre de choses. Ça me tue. Moi, je fais un jeu vidéo, je ressors la phrase. Hein. Ça devait être le vent. Hein. C'est obligé. Hein. Moi, je sors les clichés du jeu vidéo hein, dans mon jeu. Et je vais l'appeler cliché. Cliché land ou un truc du genre, non mais faut faire la vraie référence, hein, les jeux. Tu fais de l'infiltration comme ça, ils croient voir quelque chose, ça doit être le vent. C'est obligé, c'est une loi. Bon, qui que je tue, comment. Finalement, on avait quand même plus ou moins réussi à celui en bas à le tuer furtivement, on avait réussi. C'est ça, et après, il faut que j'arrive peut-être à tuer celui qui est un petit peu au-dessus, là. Ou je sais pas, peut-être essayer de refaire ça.
Et lui, là, regardez, là, il va pas près de l'herbe. C'est chiant, là. Un, deux, trois, quatre. Et j'en ai encore six à tuer ici, sur cette vague. J'y arriverai pas. Si, c'est tellement trop. En sachant que j'en ai déjà tué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai déjà tué 6. Ils sont déjà 12 sur la première vague, vraiment. Ils s'accrochent pas. Ils s'accrochent pas. Vraiment, ils se foutent de ma gueule. Il y a tout pour s'accrocher, il le fait pas. Putain. Oh, ce jeu de merde, vraiment. Je vais devoir quoi, passer hors live le passage? Juste pour qu'on avance en live? Bah, j'y crois pas, hein. Quoi, ils ont capté un truc là-bas? Alors c'est lequel qu'ils ont repéré? Mais arrêtez de blablater. Mais je viens de mourir, puisqu'il a pas de réussi son saut. Je suis pas au taquet là au niveau des morts. Je pense à les mettre, mais 5 minutes. Je passe 5 minutes après, mais pas au moment où je meurs. J'oublierai presque. Et comme encore, évidemment, longue séquence, donc je meurs peut-être pas forcément beaucoup. Mais on fait beaucoup de temps de jeu où on fait que quelques morts finalement, alors que sur d'autres Uncharted, on serait déjà mort 50 fois sur le passage si on l'avait toujours progressé, bien sûr. Enfin, ça aurait été beaucoup plus vite. C'est des petits. Parce qu'on a des sauvegardes auto, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je tue, ouais, il y en a encore 6. Il y en a 12 sur ce premier passage. Vraiment. C'est énorme. Voilà, il a entendu un truc, et le mec, il a fait carrément genre 6 pas sur le côté pour essayer de voir. Alors qu'il y a un fossé entre nous deux. Enfin, il y a un petit pont là en bois, hein, ça se voit. Hein. On va peut-être faire la prochaine fois le bruit d'un chat si je fais du bruit qui me repère. Fait miaou, miaou. Il va dire, ah oui, mais oui, c'est un chat, c'est normal. Ouais, celui en face qui a failli me repérer. Ça veut dire qu'avec les deux cocos, les deux zouaves là-bas, je peux pas le tuer tout de suite, lui. Bon. Mais le zouave là, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je suis sûr qu'il bouge pas. Je vais sauter, il va se retourner. Et vu qu'il t'embête un peu, toi, tu vas dans les hautes herbes ou pas? Il va se retourner, regardez-moi ça. On est dans le bus. C'est quoi le mec là qui... J'essaie juste de transmettre un peu de culture. Tu peux te la mettre où je pense, ta culture. C'est un culte. C'est tout ce que vous êtes. Allez, mais venez, putain!
Accroche-toi, t'as le rebord à chaque fois! Ça me gonfle, ces morts qui servent à rien! Ces tentatives perdues là! Il m'a déjà repéré. Ouais, il m'a vraiment déjà repéré, c'est même pas une blague. Mais allez, net! Quand même idiot de venir encore à corps. C'est ce que je devrais peut-être faire finalement pour les avoir. Enfin, ils ont pas l'air d'être aussi débiles ceux d'après. Ah, boss. Ouf. Le qui arrive par là-bas. Non, c'est l'autre côté, bien sûr. Ça va arriver, les 100 morts. Hein. Ne t'en fais pas. Tiens, allez, une petite patate dans de forain. Et ça m'énerve, c'est que c'est surtout. Bah c'est un passage où on bute. Enfin, on bute. On se fait buter, on a du mal. Le mec il va grimper à tous les coups, en jouant de son pote, non? Y'a personne. Dispersez-vous, les gars. Putain, ils m'ont abandonné. Ils m'ont oublié. Enfin, sauf qu'ils m'ont retrouvé maintenant. Mais ils m'ont carrément zappé, hein. Ils avaient oublié mon existence. C'est un peu triste. Je comprends pas comment j'ai réussi à être caché autant. Mec, s'il te plaît, là. Ah ouais, dans les hautes herbes, je l'aurai jamais. Mais genre, la grenade, ils arrivent à la lancer juste au-dessus du caillou. Sur ma gueule. À la lancer en cloche pour qu'elle fasse... Hop ! Faut arrêter, hein. C'est impossible. C'est physiquement impossible de faire ça, hein. Sachez-le, hein. Finalement, faut être près d'un bord. Hein. Le bord, c'est la vie. Et on voit rien dans ces hautes herbes. On voit que dalle. On sait jamais où ils sont. Putain, et ils sont dans les hautes herbes, ils se prennent pas les balles. Je suis sûr. C'est quoi là? Les hautes herbes ça protège pas, hein. C'est pas des pare-balles, hein. C'est pas des herbes pare-balles, hein. C'est des herbes. Hautes, c'est tout. Faut arrêter. Le jeu tu triches, depuis le début. Je faisais avec, mais là j'arrive plus. Tu vas atteindre mes limites. Alors, on a un toujours bas, il y en a 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 dans la deuxième vague. Ils étaient 4. C'est pas qu'ils sont 5. C'est la vague 2, ça. Mais des herbes pare-balles, le mec il est dans l'herbe, je lui tire dessus, il se prend pas de balles, il meurt pas là. Faut arrêter, c'est des herbes pare-balles. Hein. Pour eux, évidemment pas pour moi, hein. Faut pas déconner non plus. Moi c'est des herbes normales. Vous n'allez pas me donner un petit avantage. Ils sont... Ouais, et puis c'est tellement ouvert, tellement exposé. Il n'y a rien qui va dans cette zone en fait. Il n'y a rien qui va pour m'aider. Tout est horrible. Ah. Il y en a qui se ramène. Je sais pas jusqu'où.
pas aller plus loin. La grenade est dans les airs. La grenade est dans les airs. Elle flotte. Mais j'en ai eu un furtif. Je peux pas l'avoir du coup la grenade. Oh, quel jeu de brin. Quel jeu de brin. Bon, il y en a un qui est venu avec un peu de chance, dans une heure il y en a un autre qui passe. Est-ce que vous avez le temps d'attendre une heure? Enfin oui, peut-être vous, moi pas. C'est moi qui ai pas le temps finalement. Tu t'accroches, hein. Tu sais que c'est un saut dangereux, mais tu sais le faire. Je sais que tu sais pas le faire aussi. Il est où le monsieur? Il est là-bas. Ah, l'autre qui revient à ce moment-là, comme de par hasard. Il revient comment? Ah, il revient, carrément. Ils y vont tuer les deux maintenant. J'allais y aller. J'allais aller en bas. J'attendais que celui qui était juste à ce niveau-là retourne vers le mur. Faut évidemment qu'ils en profitent pour venir tous les deux. Lui, il saute comme ça. Il fait quoi, l'autre? Ah, pas qu'il se retourne à ce moment-là, en fait. C'est surtout ça, le truc. Putain. Il fait peur. Il va presque pas s'accrocher. Et j'ai pas envie de trop avancer, parce que c'est pas comme s'il déspawnait, quoi, quand j'enclenche la phase suivante. Et j'ai pas envie de me retrouver en sandwich. Mais ils me tuent, je suis là-bas, ils sont par ici, j'ai un par ici, ils partent là-bas. Ah bah voilà, ils sont alertés. Ils sont alertés, ils savent que leur pote est mort. Il va descendre ici, lui. Il va mourir. Ça c'est bien, ça c'est un bon monsieur. Ça serait bien qu'il fasse pareil les autres. Ça serait extrêmement bien qu'il fasse pareil. Mais qu'il t'a repéré alors? Si le même terre qu'il vient de repérer, c'est l'avant-dernier que je venais de tuer. C'est le premier de cette phase-là. Ils ont... Non, mais vous n'avez pas le droit de repérer les cadavres des phases précédentes, hein. Ah, viens, descends, toi. Toi, tu peux venir. Viens, n'aie pas peur. On va faire un bon accueil. Tu vas voir. Je vais te faire un gros câlin. Je me sens un peu seul, hein. Je rappelle, j'ai ruiné mon mariage, j'ai viré mon meilleur ami, mon frère aîné a disparu. Mais on a toujours envie de ce qu'on a entendu. Il y en a deux. Il y en a un en bleu, genre un Barney Calhoun, d'Half-Life, et il y en a un comme habillé pareil que celui que je viens de tuer. On voit là-haut. Il reste là-bas, lui. Il va jamais revenir. Il va jamais revenir à tous les coups. Non mais j'y étais là, mec, mais c'était il y a 10 minutes. Depuis, j'ai fait ma vie. Hein. Il se rebarre au tout début, même. Il se barre au tout début. Ça les tue, ça. Ah, eux, ils sont déjà là. Ils sont déjà là.
Ou un petit lancer de couteau, là, des trucs du genre, pour tuer furtivement, ça manque. Arrête, tu regardes pas, mec. Tu regardes absolument pas par là, t'as pas pu me voir. Hein, ma vie c'est de la merde, ouais. C'est de la merde, effectivement. Ouais, j'ai pas encore dit, mais il y a, enfin pour le moment, il y a une armée, celle de Shoreline, de Nadine Ross, qui me poursuit, évidemment, là, eux. Et si on n'arrive pas à trouver le trésor, normalement du Gutsway, donc 400 millions de dollars, on a l'armée d'Alcazar qui va me suivre, enfin l'armée. Ils ont parlé d'Alcazar, hein, le dealer là, qui va me poursuivre aussi. Hein. Donc je vais avoir deux armées au cul. Je le tiens là. Mais non, c'est pas possible. Et lui, il va être chiant en face. Il est encore là. Donc j'ai aussi ça, je le rappelle. Deux petites armées. Une pour le moment, bientôt une deuxième au cul. Je suis sûr que si je descends, il y en a un autre. Je suis sûr qu'il y en a un autre dans le secteur qui va me voir. Allez, tu dégages. Faut surveiller tes arrières. Donc, effectivement, une vie de merde. Pour le moment, c'est pas la meilleure. Le taf, ça a pas l'air de rouler bien, bien au niveau du taf aussi, en plus de ça. Les affaires là, ont pas trop l'air de marcher super. Il n'y a pas d'autres herbes ici, c'est vrai. Et celui qui est tout derrière là, on l'a abandonné, il a disparu, ils l'ont dépop là, trop de sprites à l'écran, on est d'accord? Il dépop, ce serait magnifique si le jeu était aussi bien fait que ça. Mais on est sur PS5, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis de limitation de sprites comme ça. Allez, viens! Il va pas venir. Mais tu fais deux pas en plus, mec. Ils sont pénibles. Qu'est-ce que ça lui coûte de faire ces deux pas? J'ose pas y aller. C'est ça le pire, c'est que je sais comment ça va se passer, donc j'ose pas y aller. Et si j'ose pas y aller, enfin si j'y vais pas, ben on n'avancera pas. Qui m'a vu? Toi? Qui? Toi là au fond qui vient de sauter? Mais évidemment, tu fais deux. Ah non, c'est lui. C'est pas possible qu'il m'ait vu. Je vais là. Non, ouais, genre. On le voit toujours. Ah si, on voit le haut là derrière l'arbre. Enfin, derrière. Pas l'arbre qui est juste devant moi, mais derrière les feuilles en arrière-plan, on voit le haut de la colonne que je dois atteindre. Qui me permettra d'atteindre une branche. Avec mon grappin. C'est là que je dois aller. Plus simple, c'est soit de te passer. Enfin, plus simple, non. Mais faut grimper en hauteur, plus ou moins sur la plateforme au milieu, là, que je vous convoie au fond. Il me permettra de sauter sur la tour. Mais entre la tour et moi, la tour de pierre, il y a quelques ennemis. C'est gênant, il faudrait peut-être la réussir à contourner le long de la falaise. Ça sera peut-être ça le bon plan. Enfin, toi tu vas mourir. Ouais, avance un petit peu, tant pis, je vais certainement proc le combat. Mais... Ah non, mais mec, là, t'abuses, c'est pas par là. T'es censé monter un peu par là, enfin aller par là dans l'ombre. Faut pas jeter des petits cailloux là pour l'attirer à un endroit? Non, je. Ça manque de petits cailloux, d'armes de lancer comme ça, là, silencieuses. Ça manque de moyens de tuer, quoi. On va refaire le jeu, ensemble. Enfin, le gros, il suffit. Enfin, ouais, le gros à la Gatling, si je lui balance des grenades bien placées. Normalement, deux grenades devraient suffire pour lui enlever le casque. Une troisième à la limite pour faire pas mal de dégâts, puis réussir à le tuer à l'arme à feu. Quand il ne tire pas, bien sûr.
il tourne en rond tous. Le mec il tourne en rond sur 3 mètres carrés. C'est un pénible. Je ne pourrais jamais sauter là-bas. Non, là. Tu te fous de ma gueule? Oui, là. Là, là. Ah, mais avec l'arbre entre les deux, je passe pas non plus le long de la falaise. Pas de problème. Mais t'as pas... Et c'est pas un jeu, non plus. Souvent dans ce genre de jeu, infiltration et tout, t'as quand même... Aller à un moment donné une chance dans la routine des gardes de les tuer furtivement. Là, non. Franchement, non, tu peux pas en tuer un discrètement. Enfin. Y'a pas l'air, hein. Y'a tellement de gardes qui bougent un peu n'importe comment. Tu peux pas te dire, tiens, je vais pouvoir le tuer tranquillement, ou je vais pouvoir aller là sans me faire repérer. T'as jamais à un moment donné où t'as le temps. Ici, je suis allé là, mais. Ça passe. Au moment ça passe. Lui ne me repère pas. On est d'accord. Si je me fais repérer, ce qui va arriver, c'est là c'est la mort. Je vais être pris en sandwich. Clairement. Qui font des pas sur 3 mètres carrés et d'autres qui se baladent un peu plus librement, on a l'impression. Ce qui complexifie quand même encore un peu plus la tâche. J'aimerais bien arriver sur le rebord ou me cacher directement derrière le. Enfin quoi, le pilier tombé là. Et si je me cache, c'est que je ne me suis pas fait voir aussi, surtout. Parce que si je me cache, mais je me suis fait voir. Qualité qui a l'air dégueulasse, là, en plus de ça, sur le live. Enfin, kilobits secondes qui explose le compteur, on sait pas pourquoi. Alors que ça sert à rien. Non. Mais non! Ah, lui il est chiant. Et je peux pas passer par ici, on est d'accord, c'est ce que je disais. Ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde. La grenade c'est de la merde. Je peux pas lancer une grenade ici. Ah si. Merci, au revoir le gros. Le gros il est mort. Mais il y a le sniper là-bas. Le bord me protège des grenades pour le moment. Mais il y a l'autre là aussi, là. Je peux pas l'avoir, je peux rien avoir là. Putain d'arbre, pourquoi il y a un arbre là? Sincèrement, pourquoi ils ont foutu un arbre sur ce rebord? Si je pouvais passer, je dis pas que c'était gagné. Mais j'ai envie de dire que c'est... Il y avait une chance. Il y avait une chance là. Comme d'hab, ils savent pas, ils ont fait un niveau de merde, vraiment. Qui est le pire niveau de toute la licence. Putain.
C'était la meilleure des tentatives. Ah ouais, par contre ça lag maintenant. Ouais, je suis mort. Ça finit toujours par tourner. Franchement. Peut-être faire play pause play si ça lag un peu parce que le compteur s'est affolé dans les kilobits de seconde, je sais pas pourquoi. Il est monté dans les chiffres sans raison. C'est ce passage. C'est pas normal. Nickel que j'avais tué après moi. Ah ouais, mais lui il était parti sur cette plateforme là, je sais pas pourquoi. Jamais de run pareil. C'est ça qui est aussi qui est pas normal. T'as jamais de run pareil. S'adapter sur un passage très complexe. C'est maintenant que j'aurais dû sauter. Quand lui là-bas, c'est pas possible, il va revenir après. Il faut que j'attende. Je me fais voir. Et bon, ils m'ont pas vu. Vraiment à ce qu'on se fasse repérer. J'essaie juste de transmettre un peu de culture. Tu peux te la mettre où je pense, ta culture. Les incultes, c'est tout ce que vous êtes. Mais il me... Ah non, mais lui... Eh, vas-y, rate son saut. L'autre qui revenait, je le voyais plus. Génial. Putain. Je sais que je fais un truc dangereux, mais à un moment donné, tu mets ta poche aussi. Allez, une heure, on n'a toujours pas avancé, super, bonne nouvelle. Une heure, on était à 89, une heure, 7 morts. Bon.
il est pas censé être là à ce moment-là. Celui du fond. Bon, très bien. Respecte aucun planning. Pourrais-je le jeu avoir deux fois la même run, s'il vous plaît? Pour qu'on la prenne et qu'on puisse passer à un moment donné. Pas grand chose, hein. Deux fois la même run, c'est tout. Enfin, à chaque fois la même run plutôt même. Oui, je vais y arriver. Quand? C'est surtout ça. Parce que c'est... là, je suis en live, hein. Ça m'embête. De... Enfin, mon... si je suis... Je jouais dans mon... Enfin, dans mon salon, non. Je jouerai ici, mais de mon côté, je mets 5 heures. C'est chiant, mais j'emmerde personne. Là, à un moment donné, si j'y arrive pas, je passe le passage hors live et je le filme. Hein. Parce qu'à un moment donné, faut... j'aimerais bien quand même... vous montrer la suite. Et en je compterai le nombre de morts, bien sûr. Genre en début de live. Allez, on va faire exploser le compteur directement. Vas-y, on passe de 110 morts à, par exemple, 150. Youhou, vas-y, 40 morts gratos en plus, pour vous faire plaisir. Moi, j'essaie de tuer lui en lui sautant dessus. On attend que lui reparte. Techniquement, par lui qui peut le voir. Normalement, lui devrait pas le voir parce que il a pas le bon angle. Mais bon, techniquement, hein, je le dis bien. Et c'est celui qui a pas le bon angle qui a repéré un truc. Hein. Ah non, c'est lui. Ah, c'est vrai qu'il y a lui. Comment ça encore? Pour que ce soit encore là, il aurait fallu que je sois déjà là. Et que, enfin, que vous le sachiez. Que vous m'ayez déjà vu. Ce qui n'est pas le cas. Non, 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 net. Il tombe pas, reste dans les herbes. C'est rien, c'est le vent. T'es au courant. Et on raterait les 40 morts? Bah ouais, hein, je pense. Ouais, non, mais ça va m'énerver à un moment donné de pas le passer en live. Ça m'énerve déjà, d'ailleurs. Enfin, c'est de prendre autant de temps, finalement, pour peu de morts. Et d'être toujours bloqué au même endroit. Parce que même dans les trois premiers Uncharted, il y a un passage où je sais pas quel était le passage le plus compliqué qu'on a eu à faire. Et combien de morts on a eu dessus. Mais au niveau du temps, on a quand même été beaucoup plus rapide que ça. Ici, on a une longue séquence infiltration massacre. Ça prend du temps, parce qu'on sait pas faire mieux. On a 7 morts en une heure. En principe, 7 morts en une heure, quand on a des phases comme ça, enfin, les 7 morts, c'est 10 minutes. Enfin, allez, un truc du genre 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas une heure. En une heure, je suis censé avoir quand même avancé, plus ou moins terminé un chapitre. Là, je suis repéré. Là, je suis repéré. Ouais, c'est malin. T'as raison. Ouais, le souci c'est ici, c'est on n'avance pas. On meurt pas trop, mais on n'avance pas. Bah, lui il est passé devant, la balle, il se fait prise.
Bonne grenade. Oh, il y a une grenade juste sur ma gueule. Putain, mais il la lance d'où, la grenade? Ah, il y a toi aussi. Super, bien sûr. Faut un truc, quoi. Faut une aide à la visée. Faut les balles en or de Goldfinger. Je crois que c'est Goldfinger. J'ai tout dit un an ou deux. Bras. Mais qui balance ces grenades? Bah, j'ai déjà lui, hein, pour les lancer à chaque fois. Parce que la grenade, j'ai l'impression. Il la lance pas, hein, elle pop sur ma gueule à chaque fois, on est d'accord, non? Mais il y a personne qui lance de grenade. Hein. Personne ne lance de grenade dans ses ennemis. Ils font de la magie, la grenade apparaît à mes mains. C'est pas possible autrement. Ils ne lancent pas la grenade. Toi, t'es mort. Putain, et t'en as un troisième, enfin un deuxième maintenant. Toi, t'es mort. C'est lui qui balance la grenade. Il doit être inatteignable, mec. Il doit être inatteignable. C'est qu'il me voit plus depuis X minutes, mais il va toujours savoir où je suis, hein. Encore une fois, on est d'accord. On a ce genre d'ennemi. Ah, coq. Pour vous amener ici, faut que j'amène un cadavre. Rien, vieux, c'était rien. C'était le vent, on le sait tous. Et il va pas plus loin, lui, à chaque fois. Et ici, il va faire 3 pas, pas plus. T'as quelque chose? Parce que moi, j'ai rien. Aussi sur un 2. Il est peut-être par là, les gars. Ah. Bon, il est où, l'autre borné, Calhoun? Il se balade actuellement, il est là. Même s'il est en casquette rouge et que Barney Calhoun a un casque. Non, c'est Machine Gun, ça. C'est Machine Gun. Il va le voir.
Ouais, je l'ai tué juste à temps avant qu'il ait pu voir quelque chose. C'était très rapide. C'est une bonne chose. Personne sur la gauche. C'est con hein, cette arme là, en plein milieu qui est chiant. On a pu voir, c'est ça qui m'a gêné tout à l'heure. Sans lui, s'il y avait que du rebord, j'aurais pu longer et j'aurais pu peut-être plus facilement tuer les autres. Parce que là, en plus de ça, il y en avait un qui était sur la plateforme là-bas, les autres, tu me balançais. Oh. Bouge pas, ça c'était bien placé là pour les grenades. Ah putain! On n'est pas tout seul! Mais non, vous pouvez pas savoir d'où elle vient la grenade. Ça tombe là, ça pop, on le sait bien. Il est mort. Je peux pas tomber. J'ai réussi le passage. Je sais quoi faire si j'ai réussi le passage. J'ai le bon truc là qui va être bien. Ça serait bien de le vivre en live. Ça serait bien de le vivre en live. J'ai envie de la sortir là, cette phrase là. Deux fois de suite qu'on arrive aussi loin, qu'on fait pas mal de trucs, qu'on tue le mec à la Gatling. Il y a du progrès, non? On va dire. Il y a un peu de progrès. T'arrives à rien non plus? Ah! Tu dois bosser sur quoi alors en ce moment? En principe. Hop. Ça m'en rassure pas, hein. J'aimerais bien que tu réussisses aussi hein, à avancer dans ton boulot. Une sauvegarde d'auto, ça aurait été tellement plus simple. C'est ça le souci de la zone, comme je le dis. Oh, il me repère, quoi. Il me tue aussi à me repérer à chaque fois. Alors que je suis dans les hautes herbes. Ce n'est que des hautes herbes qui bougent, hein. C'est bon. Hein. T'as jamais joué à Pokémon, mec? C'est un Pokémon qui est arrivé, c'est tout. Hein. Il va pouvoir en attraper un. Hein. Non, 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 non. Putain. Bah oui, évidemment. Idiot. L'idiot du village, là. Et qui se protège dans les airs, on voit que dalle. Ah ben non, il est parti là-bas, lui. Boum, deux en moins. Merci la grenade. La sainte grenade.
Mais non, quelle idée de lancer une grenade, monsieur. Oh, ce net. Pourquoi tu te... Pourquoi il s'accroche toujours au... Enfin, il s'accroche pas, il se colle au rebord dans des lignes de mire. Faut réfléchir, net, putain. Aussi, à un moment donné, tu fais jamais d'efforts. Je fais des roulés-boulés pour m'éloigner. Toi, tout ce que tu veux trouver à faire, c'est de te coller au mur. Et lui, il fait déjà son demi-tour. Ça saoule. T'essaies d'afficher des statistiques d'appel. Genre ce que tu vois sur ton outil de live, les performances de connexion, les pertes d'image et autres. Et t'arrives à afficher certains éléments et pas d'autres, ou t'arrives malheureusement à rien afficher du tout pour le moment. Ouais, si je le tue maintenant, ça va pas parce que l'autre il est déphasé. Alors que j'attende. Et ça me tue. On a des hautes herbes. Apparemment, on s'est pas caché le cadavre dans les hautes herbes. Ça aussi, ça me tue. C'est tellement le but des hautes herbes, c'est de cacher les cadavres. Ça suffit maintenant. Déployez-vous et retrouvez-moi ce connard. Mais non. Mais non. Ne sortent. Laissons. Bon, lui, c'est normal. Il n'y avait pas d'autres herbes à cet endroit-là, mais bon, les autres. Arrêtez de déconner. Hein. Le premier qu'ils ont repéré, il était un peu dans les hautes herbes. Hein. Surprise! Qui c'est? C'est la mort. Pas drôle. Ah merde, ils sont deux! Ils étaient deux, pourquoi ils n'étaient pas tout seuls? Ils saoulent. T'affiche tout, mais tu dois afficher certaines informations sous forme de graphique et c'est ça que tu bloques. Ah ouais. Bon bah, t'affiches déjà les infos, c'est déjà pas mal. Putain, tu m'expliques cette mort, sérieusement? Tu m'expliques la centième mort qui aurait jamais dû exister, enfin dans cet état-là. Sincèrement. Enfin, ou au pire, sinon je dis que j'enregistre les trucs là. Je fais la vidéo et puis je la diffuse dans le live et je fais croire que c'est du direct. Pendant ce temps, moi je retourne me recoucher. Et je me réveille, je sais que la vidéo dure 2 heures par exemple, hop, je me réveille sur 2 petites heures. Je reviens dodo et après je reviens. Et je fais croire, ah, attendez, je fais croire petit. Et après la fin de vidéo, je fais genre transition sur écran pause, je vais faire caca. Et puis après je reviens, je reprends le direct, le vrai direct. Ah. Et vous n'avez vu que du feu. Sauf que évidemment, je n'aurais pas vu que du feu, vu que j'aurais pas vraiment réagi avec vous. C'est bizarre là, aujourd'hui, là, il réagit pas beaucoup, là, il a mis 2 heures avant de lire les premiers messages, pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit message, ceci est une arnaque. Là, ils vont différer. Et j'en profite pour balancer un petit truc concours. Il faut envoyer un message avec en SMS.
Oui, appel surtaxé, bien sûr, quand vous n'avez pas le bandeau d'informatif que c'est en différé et pas en live, ben vous allez essayer de participer au concours, mais le concours, il a plus lieu, quoi, il est déjà foutu. On essaie d'arnaquer comme on peut, hein. Ça essaie de tricher, ouais. Ça essaie, mais ça ne réussit pas, hein. Je tiens à le faire remarquer que je n'y arrive pas, hein. Je suis mauvais dans la triche. Mais c'est qui me repère, celui? C'est lui. Salaud, là. Et merci pour les 10 bits. Merci pour les 10 bits, mais franchement, la centième mort... On devrait pas la compter. Ça devrait pas compter, ce genre de mort. Il arrive même pas à faire le premier saut. Il y a la question que personne ne s'est posée, là. Bah, il va repérer le cadavre, clairement. Tomb Raider, c'est mieux, hein, finalement. Tomb Raider, ça a l'air d'être mieux qu'Uncharted. Non, l'autre revient, on va attendre. Alors que je rappelle, dans Tomb Raider, je n'avais pas de sauvegarde automatique. Hein. Chose que je n'ai point ici, mais qui rend un jeu impossible. Trop tard, trop tard. Non, non, tu m'as pas vu. Non, non, mais vous m'avez pas vu, monsieur l'agent. C'est faux, là. C'était pas moi. Y a un mec là-bas, on le voit pas. Mais voilà, on le voit, là. On le voyait un peu. C'est pris une balle. C'est bon, il est mort. Ah mais non, mais il y en a un autre qui est revenu. Il s'est repris une balle aussi dans la tête. En même temps, je voyais que sa tête. J'aurais pas pu toucher, viser autre chose. Headshot. Arrêtez de faire le tour par là, hein. Je commence à en avoir marre. Ils continuent, hein. Ils ont pas capté mon message. Mais évidemment, là, les mecs, ils essaient jamais de me contourner plus que ça, et maintenant que là, j'ai une occasion où je suis un endroit de merde, ça contourne à mort, au même endroit. C'est bien incroyable que j'en ai eu 3. Vu comment était l'endroit, dégueulasse. Et donc Michael et son mort sont arrivés. Hein. Je l'avais dit. Je crois qu'on... J'ai l'impression qu'on meurt quand même plus que... Putain, allez, quoi. Normal. Y a rien qui est normal dans ce jeu. Je sais pas, là, il y a quelque chose qui me manque, hein. C'est pas normal. Mais tu l'as déjà lancé, c'est ça la différence. Entre je lance une grenade et je l'ai lancé, il y a un timing différent.
Il va pas descendre. Normalement, il descend, le mec. Ils vont faire chier. Ils vont faire chier jusqu'au bout, dans toutes les timelines possibles et inimaginables. Ils sont censés descendre dans les hautes herbes, là. Lui, il le fait. Mais avec une arme différente. Si, c'est chiant. Ils n'ont pas repéré encore, donc ils doivent normalement, ils devraient suivre leur trajet habituel. Chose qui commence déjà à pas faire. Ça saoule, ils sont où? On les voit pas du tout. Voilà, mais pourquoi vous êtes là-bas, les gens? C'est ici, ou il y en a un qui doit être ici? Ils savent que je suis là sans savoir que je suis là. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Ils doivent pas, ils sont pas censés savoir que je suis là. Hein. Donc ils sont censés venir. Le jeu ne se respecte pas, je le rappelle. Donc le jeu ne me respecte pas non plus. Le jeu n'en fait qu'à sa tête. Je vais aller là-bas, je vais me faire repérer dès que je vais sortir. Vous allez voir. Parce qu'il n'y a pas de raison que je me fasse pas repérer. Et sérieusement. Ça, attends, mais non. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mon frère, c'était rien. Tu vois, c'était rien. T'es pas censé être sur cette plateforme, toi. C'est les Barney Calhoun, là. Gonfle, ça gonfle. Et il va tout casser. Eh, mais c'est quoi ces deux mecs? C'est des gus. C'est censé être deux Barney Calhoun là sur cette plateforme. Et là maintenant je me tape trop en blanc. Je peux pas aller là-bas. Je vais avoir aucun an. Oh, quel jeu de brin. Quel jeu a fini à la pisse. Putain, 5 mecs. 5 mètres sur 3 mètres carrés. Vraiment. Il y a 3 mecs qui sont pas censés être là. 3. Je suis à un endroit, je peux pas aller, je peux pas sauter là-bas, je peux rien faire. Je suis retourné aller là sans me faire voir, comme je m'y attendais. T'es sérieux, toi? Et l'autre qui m'utérium touchait? Mais vas-y, il me tire comment? Ça me gonfle! Mais vas-y, quoi, sérieusement, je suis toujours dans l'herbe. Putain. Je ne bouge pas, il me repère. Je suis dans les hautes herbes. À quoi ça sert des hautes herbes? Je suis censé, c'est censé me cacher. Putain.
Sinon, une solution simple, hein. J'installe le jeu, la version PS4. Je regarde si j'ai foutu la sauvegarde PS4. Je la recharge. Enfin, j'installe la version PS4. Je recharge la version PS4. Ils vont me faire tomber une pluie. Ou je vais avoir une pluie de trophées qui vont tomber, en principe. Hein. Putain, c'est pas normal ce passage. Je suis pas repéré, les mecs qui viennent pas à l'heure, qui font pas leur ronde habituelle. Et du coup, qui squattent la plateforme suivante, impossible avec 5 mecs dessus. Trop. Ça gonfle. Ils ont jamais le même nombre de munitions dans leur chargeur, en plus de ça. Ça aussi, c'est incroyable. Mais il est dans rien du tout. Il est visible. Invisible, lui, ça va. Du coup, toi, t'es monté là. T'es là ou tu restes là-haut? Ça vaut pas mal un petit effort que tu descendes en bas. Ici, là, viens me rejoindre. Même si tu n'es pas censé savoir que je suis là. Ça me dérange pas que tu viennes me rejoindre. Hein. Allez, mais... Nate. Fais des efforts pour te cacher derrière les rochers. Et maintenant ils sont là-bas, ils viendront jamais. Ils peuvent clairement pas me voir, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de me voir. Ah, attends, c'est toi.
perdu ou pas? C'est normalement ils pourront me tirer là. Ils vont rester là, ces deux-là. Un truc qui empêche la venue de la vague, fin de la vague suivante. Là ils sont deux, on pouvait empêcher les cinq suivants de venir. Ah, ça serait super. Par contre, ils vont pas dire. Ils continueront à ne pas faire d'efforts, hein. Et à rester sur la plateforme alors qu'ils peuvent descendre. Pour me faire croire que c'est comme des chats perchés. S'ils sont montés, ils savent plus redescendre. Et qu'il va falloir appeler les pompiers. Et j'ai un léger doute là-dessus quand même. Comment ça reste en contact? Vous êtes l'un sur l'autre là les mecs. Et vous tournez en rond sur les deux mêmes. Comme d'hab. Comme d'hab. C'est pas sauter en arrière là aussi. Sauf qu'on a deux ennemis en plus sur la plateforme encore une fois. Ils sont 4 cette fois-ci au lieu de 5. Parce que eux, ils spawnent vraiment, hein. Y a pas même de pas les faire spawn. Lui qui va là, ok. Super. Plus vite, hein, net, hein, pour tuer des gens. Oui, on pouvait. Je pouvais, du moins. Ils sont 3 pour me dégommer. 4 même.
ont perdu. On a perdu de vue. Je crois. Ouais, ils m'ont perdu de vue. Ouais, bah laissez-moi tranquille maintenant. Ma mission là, ils viendront quand même de toute façon pas ici. En principe, ils viennent pas. Ne me repère pas. Il va pas revenir. Mais il va faire que s'éloigner. Au plus je m'approche, au plus il va s'éloigner, cet idiot. Il saoule. Qui vient ici quand même. Mais vas-y, né, putain! Il veut pas. Il a pas voulu le tuer. Ils ont capté ou pas? Ils ont capté. Et là, tu veux bien aller le tuer par contre? Tu te fous de ma gueule? Putain, né, t'es relou! Le mec, je pouvais le tuer. Eh merde, je balance une grenade dans l'endroit. J'aurais pu le tuer tranquillement sans me faire repérer. Bah non. Ah, vas-y, je suis dans les hautes herbes. Comment ils font pour me voir? Comment je dois faire pour qu'ils m'abandonnent et qu'ils oublient ma présence? Fait du progrès peut-être, mais on n'est pas rapide. Hein. Si on arrive à faire un truc. Gatling gun. Je recule à mort pour qu'il m'oublie. Ah non, ça me touche de là, vraiment. Ouais, j'aurais pas dû venir ici. Je viens de me niquer la vie. Je viens de me pourrir la vie sans le savoir, à venir ici. Ouais, mais les fumées là dans mon angle de tir, dans le sang, l'angle de tir que j'ai. Mais je réussis quand même à me faire un headshot. Salut Vitini. Ah, la qualité qui fait n'importe quoi. C'est bon de te voir. C'est bon de te voir au cas où. Est-ce que... Ouais, du coup, ouais, ça lag est mort. Ah ouais, mais le lecteur est grave à la bourre. Hein. Le lecteur est grave à la bourre. Super. Enfin, je vais quitter ça. Comment vas-tu?
Comment vas-tu? J'espère que ça va. On est toujours au même endroit depuis 4 heures de jeu à mon avis. Non mais la grenade c'est bon, le lance-grenade il peut pas m'avoir de là. Ah il est là-bas. Ouais j'ai un pas zoom, je le rappelle. Et que de toute façon si j'avais un zoom, c'est un zoom de Clodo, je le rappelle aussi. Je l'ai eu. Il reste qui? Il reste le gros à la Gatling? Ben non, je descends pas, j'ose pas. Monte toi si tu l'oses. Pourquoi c'est à moi là? Arrêtez de bouger dans les hautes herbes. Je l'ai ou pas? Non. Oh, c'est vrai quoi, pourquoi c'est à moi à faire. Oh, il se floue. Non, je vais me recocher. Comment ça va mieux le live? Il a l'air d'être plus stable, ça a l'air un peu mieux, mais à mon avis, si vous faites pause puis play, vous allez skipper 5 minutes de jeu. ouais. Mais ça... Enfin, ça va. On fait aller. On aimerait bien réussir le passage. On a renouvelé un peu mal à l'épaule parce que j'ai un bus de remplacement qui me fait mal, mais je vois que tu es malade comme un chien. Ça commence à s'améliorer, tant mieux. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté pour être malade, comme ça? Qu'as-tu eu? Est-ce que monsieur t'a refilé des mauvais trucs? C'est ça, j'en suis sûr, c'est le monsieur qui t'a refilé des trucs. Alors, on s'est pas graissé... Ah, il est là, lui. Non. Tant pis pour la grenade, mais non, ça va pas. Il est à un endroit horrible. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus que lui. Hein. Il n'y a plus que lui, mais de là, je pourrais pas faire grand-chose. Je ressaute en arrière. Il faut que j'arrive. Oh putain, désolé. Je pensais pas qu'il avait un bon angle pour m'avoir de là. Parce que s'il reste que lui... Oh mais il recule là, l'idiot là. Il croit que je vais pouvoir balancer ma grenade jusque là-bas? Elle rebondit pas comme ça. Faut lui expliquer le principe de ma grenade. Et évidemment il sait où je suis, hein. Toujours. Non! Oh purée le saut. Le saut comme ça qui m'a fait peur. T'as fait ton rappel de DTB lundi et depuis hier tu le ressens, ok, ouais. C'est le temps d'encaisser, oui, effectivement, ça ira mieux. Bah, tu le dis déjà que ça s'améliore. Mais effectivement, ça serait amélioré. Il est là-bas, hein. Au milieu, là, derrière plus ou moins à moitié caché, mais c'est lui. Mais s'il y a vraiment plus que lui, je peux me rapprocher. Il n'y a plus que lui, franchement. L'arbre qui fait toujours chier, hein, je le rappelle, cet arbre-là, là, au fond, là. Musique s'est arrêtée, il est mort. Non, c'est faux. Mais il m'a oublié. Je crois qu'il m'a oublié, donc... J'attends qu'il se mette à un endroit fort sympathique au niveau des bombes. Genre, peut-être là. Peut-être. On va enfin réussir le passage. On va enfin réussir. Est-ce que vous croyez qu'on va enfin réussir? Est-ce que c'est toi, Vitini, qui me manquait depuis tout ce temps sur ce passage-là? Il est trop loin, là, non? Enfin, je préfère tenter de lancer. Non, ça fonctionne. Mais recule pas trop, mec! Putain, mec, t'abuses, là, t'abuses! Prends-toi la grenade, meurs! On va attendre que la fumée cesse. Voilà, là, je suis mieux protégé. Il devrait avoir... Ouais, mieux protégé, mais lui aussi, finalement.
Je crois qu'il a encore son casque, hein, le con. Je crois que les grenades ont foiré. En mode photo, là, on peut pas zoomer avec le mode photo pour voir s'il a encore son casque, ce con. Parce que si c'est le cas, c'est la merde. C'est la baise. C'est bon. Rien n'a encore gagné. Rien n'a encore gagné. Je peux foirer un saut et mourir. Mais... la phase de bagarre, c'est fini. Hein. Les phases de bagarre, c'est fini. Il faut juste maintenant réussir ses sauts. Putain, j'ai cru que j'allais déjà foirer le premier saut. J'ai cru que j'allais foirer ce premier saut. Je dis qu'il faut pas les foirer, bim. J'ai eu peur en moi pour ma vie. C'est bon, ouais, vas-y, là. Ça va pas servir. Vas-y. Parce qu'on pourra rien faire avec, mais... moi aussi je peux le faire. Hein. En plus... attends, il y a de l'herbe en dessous, on est bien. On regarde bien qu'il y a de l'herbe. On regarde bien. Je ne veux pas... je ne veux pas... comme je disais, c'est cette tour-là qui m'intéresse. Parce qu'il faut que je grimpe ici... oh putain, je vais louper le saut. Je vais louper le saut. Je vais rater mon saut. Ça va le faire. Ça le fait. J'ai quand même eu peur. J'ai vraiment eu peur sur ce saut à la con. Comme ça, je reviens ici, finalement. Et comme je le disais, grappin. Maintenant, il faut une sauvegarde. Hein. Par contre, je ne recommence pas le passage. Hein. Il me faut une sauvegarde automatique, le jeu. Fous-moi une purée de sauvegarde automatique. Une sauvegarde, le jeu. On n'est pas censé voir le mot sauvegarde automatique, ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu, je ne sais plus comment ça fonctionne. Si on est censé voir sauvegarde automatique, un petit symbole. Un petit truc. On va dire qu'on a réussi. On a réussi, enfin. Après, vraiment, ici, 1h49. On avait fait au moins 2h. Quasi 4h de... 4h sur ce passage à la mort moelleux. On était à combien de morts? On était à combien de morts? 89 ce matin. On était à aux alentours de 70, non? 70? Ou 80, je sais plus, il faudra regarder à combien on était au tout début. Ah, vas-y, là. Voilà, là, c'est une sauvegarde automatique, hein. En principe, la cinématique, c'est censé faire office. Transition. Faut voir le positif, comme tu es HS, tu glandes et tu farmes sur Dreamlight Valley. Ah, ben, on a retrouvé quelqu'un. Ma vie n'est plus si merdique, j'ai retrouvé mon frère. J'ai failli te faire sauter le crâne. Ah, pareil. Mais d'abord... ah, tu es un pigeon. C'est cool. Je... allez, viens. Je ne vais pas parler du jeu ou pas du tout. Je vois pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mourir. Je te signale que notre matériel a sombré au fond de l'océan Indien. Ah oui, le truc Disney, ouais. Pourquoi on n'irait pas se servir dans l'équipement de Nadine? Puisque t'en parles. Bah, ouais. On fait face à toute une armée. Après, c'est free to play, donc ça va. Non? C'est gratos. Donc c'est pas si pigeon que ça. Sauf si tu fais des microtransactions. Et si on descendait et qu'on allait voler un des bateaux de Rafe? Les bateaux peuvent attendre. Tu sais pourquoi on est venu ici? Pour pouvoir me racheter une vie. D'accord? Et pour ça, on va s'aventurer dans cette putain de jungle et retrouver Libertalia. Est-ce que t'as repéré quelque part des vestiges d'une colonie de pirates? Parce que moi, j'en ai pas vu. Il est un peu tard pour exprimer des doutes, tu crois pas? Mais est-ce qu'on pourrait pas au moins envisager la possibilité qu'éventuellement l'utopie secrète d'Avry n'ait pas vu le jour comme prévu? Et peut-être qu'on s'est laissé emporter par cette histoire fantastique, alors qu'en fait, on devrait chercher un véritable moyen de te sauver. Je vais passer cette île au peigne fin, centimètre par centimètre s'il le faut, jusqu'à ce que je trouve ce trésor. Alors, si toi... tu sais plus pour quelle raison tu es venu jusqu'ici. Je te retiens pas, Nathan. Attends, comment ça tu me retiens pas? Tu te fiches de moi?
Alors, tout ce que je viens de faire, 4 heures là, ici perdu là, et moi 4 heures, 4 heures, c'est pas, c'est plus que 15 ans là, 15 ans qu'est-ce que c'est là, moi c'est 4 heures sur un passage, purée, 4 heures, hein, je le rappelle. Un live entier quoi. Bon, peut-être qu'éventuellement il y a quelque chose finalement. Tu veux toujours rentrer, petit frère. Allons voir si on trouve autre chose. 4 heures. Qu'est-ce qui fait des ronds comme ça sur la roche? Des traces de tir. Ah ouais, voilà, ouais, les petits trous là, ouais, c'est des traces de tir certainement. Non, sinon t'avais des gardes qui faisaient eux des rondes sur 2 mètres carrés. Donc va essayer de passer quand le mec il vient de passer, tu dois sauter à ce moment-là pour pas qu'il dans la les deux secondes qui suivent il se retourne pour te voir. Ouais, c'était le jeu Disney, mais tu as pris l'early access à 70 balles, effectivement. Je comprends le côté un peu plus pigeon sur le coup. Si c'est gratuit que tu me déboules quand même ça, 70 balles, effectivement. Le plus gros pack, hein, t'en... Ouais, bah oui, on va pas chipoter. Si tu claques en early access, achète le plus gros pack qui t'offre... Qu'est-ce qu'il t'offre en plus d'ailleurs, ce gros pack que n'auront peut-être pas forcément les autres. Du coup, ce n'est plus du play to win, mais du pay to win. Et donc, je le rappelle, on vient enfin de passer le passage incroyable. Et comme je l'avais dit, petit message, un message de soutien d'Elena. La musique, elle est un peu forte la musique. Message de soutien d'Elena, hein, pour avoir réussi ce passage. Ouais, il n'y a pas de quoi se pavaner. Merci Elena, toujours fidèle au poste, toujours le soutien moral. Pas de quoi se pavaner. Tu regrettes tu... Alors, attends, franchement, tu regrettes. Tu t'amuses bien, il y a des bugs, mais bon, normal, heureusement... Enfin, tu regrettes ou tu regrettes pas, parce que tu dis que tu t'amuses bien. Enfin, ça fait contradictoire de dire que tu regrettes, mais que tu t'amuses bien, je trouve, hein. Donc, c'est soit tu regrettes pas, parce que tu t'amuses bien, malgré les bugs, parce que Early Access, compréhensible, et qu'on espère que quand il sera définitif, il y aura plus ces bugs, et qu'il n'y en aura pas trop d'autres. Ou tu regrettes, enfin même si tu t'amuses bien, 70 balles malgré tout, c'est quand même un peu chéros. De 70 à 0, ouais, il y a quand même une différence de 70 balles. Ah purée, on a enfin passé ce passage. J'y croyais plus. J'espère qu'on va pas être rebloqué aussi longtemps sur un autre passage. Un petit peu d'optimisme, là. Il faut que je retrouve, là. Après ce passage-là, on va trouver la phrase de Sam. Un petit peu d'optimisme, là. C'est trop demandé, là. S'il te plaît, mec. Il m'a tué, hein, ce passage. Il m'a quand même tué. Heureusement qu'on a un petit, pour le moment un petit passage de repos. Et là, on a un bâtiment, là. On a une bâtiment. Une bâtiment, parce que j'ai décidé de dire une bâtiment. Parce que je fais ce que je veux maintenant. J'ai passé le passage. Zut, flûte, prout, cacaboudin. Une bâtiment. La négociation, tu ne regrettes pas, ok. Beaucoup de cosmétiques, mais il y a aussi de la monnaie premium ouais, dans les packs. T'imagines que ce soit des couleurs à 70 balles de... Enfin, ouais, plus ou moins, je suppose. Hein. De microtransactions, en effet. On peut espérer en tout cas, voire peut-être même un peu plus, et comme vous êtes en early access, peut-être genre des packs enfin privilégiés souvent aussi, genre le truc, quand t'achètes en pack, en principe, t'achètes moins cher que si t'achetais séparément, souvent. Mais oui, on peut espérer que t'en as au moins pour 70 euros. Comment il passe ? Moi oui, mais mon frère, comment il passe ? Il passera par là, il se démerdera, hein. Au pire. Il y a quoi ici? Attends, il y a un truc là en haut, mais il y a quelque chose de caché là. Il y avait pas une poutre ici là? J'avais pas soulevé une poutre ou bougé la caisse?
Ah, depuis que j'ai trouvé le vrai chemin, je peux plus. Super. Enfin, le vrai chemin, le chemin le plus intelligent plutôt. Ouais, là c'est la suite. Il y a rien ici. Pas de trésor parce que ça manque les trésors là. Ça fait 4 heures qu'on en a pu en trouver un. Ou qu'on a pas pu en ignorer, surtout. 4 heures là. Ouais, ouais, pour le dos là, qui relance là. Un petit trésor là, on arrive dans une cité là. Un petit effort là. N'importe quoi. Un petit caillou. Regarde, il y a une sortie là. Ah non, c'est trop haut. Même en faisant la courte échelle. Ouais, on a des grappins, tu balances le grappin et tu grimpes. On sait rien. Ça sert à ça, un grappin, entre autres. Il y a pas encore la monnaie, donc on sait pas combien ça va coûter. En tout cas, pour l'instant, c'est propre. T'as acheté le Battle Pass avec la monnaie premium et entre les récompenses quotidiennes et le contenu du pass, t'as presque regagné tout ce que tu as dépensé. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bien. Effectivement, donc si tu t'amuses bien, c'est le principal. Hein. De toute façon, il y a un gros coup de copium. Typiquement de l'OTAN. En vrai, c'est typiquement le genre de jeu sur lequel tu peux passer des centaines d'heures bornées, bourrées de petites merdouilles à collectionner. Ouais, je vois le genre de jeu. Bah, après, en même temps. Attends, free to play, tout. Ouais, c'est souvent quand même fait pour que tu passes du temps et du temps. Hein, avec des. Bah, là, pour le moment, des récompenses quotidiennes. Certainement plus tard, peut-être des quêtes quotidiennes, des trucs du genre. Peut-être des hebdomadaires, ce genre de choses. Et c'est fait pour que tu restes, hein, les free-to-play. Et que tu... À un moment donné, que tu passes à la caisse pour acheter un truc ou pour aller un peu plus vite. Attention. Pas forcément du pay-to-win, mais du pay-to-gagner du temps. to win du time. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Mesdames, surtout. Vu que ce sont que des mesdames qui se sont manifestées. Libertalia! En exclu la gage, Libertalia. Une maison, des rues très larges, une sorte de zone industrielle à l'abandon. Hey, merci pour cette info, Nathan. Allez, qu'est-ce que tu vois? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça? Mais oui, je veux vraiment te l'entendre dire. Ouais. Et la qualité, la... Libertalia. Enfin... Libertalia, la grande utopie des pirates, la ville perdue légendaire, découverte plus de 300 ans par l'illustre Samuel Drake. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Profitez de l'instant. Tu m'étonnes, c'est sa première, son premier trésor. Par contre, il n'y a pas la belle et la bête, ça pue. Elles vont arriver. Ouais, elle va arriver, belle, hein, et sert peut-être la bête aussi. Un genre 900 meubles et 700 cosmétiques de tenue pour le moment. Ah oui, C'est du Animal Crossing, en fait. C'est le genre de jeu. Chapitre 14, rejoins-moi au paradis. Donc, la qualité, voilà, monte à 12 000. Les kilobits montent à 12 000, alors que je n'en demande pas autant. Donc voilà, maintenant que vous voyez peut-être un petit peu mieux, en tout cas au niveau du débit. Libertalia, en ruine, certes. Après, ça a quand même, 400 ans. Oh, je sais plus combien d'années, là. C'est en quelle année, Gutsway et tout, là? Enfin, Gutsway, c'est le bateau. Tu peux pas te contenter d'admirer, non? C'est pour demander. J'admire. Mais on a un objectif, t'as pas oublié? Ah, ça, je vois pas comment je pourrais oublier. C'est tout ce que je voulais dire. C'est noté. Et je le rappelle encore une fois, je ne sais pas si je vous ai parlé des maisons, des villes, enfin, parce que là, c'est une ville, Libertalia, encore une fois, qui sont... à ciel ouvert, et qu'on ne voit pas en satellite. Est-ce que je vous en ai déjà parlé de ces ruines à ciel ouvert? Je comprends pas comment personne ne les trouve avant. Sincèrement, là, t'affectes un satellite à la vision tout, tu trouves la ville, hein. Tu trouvais la ville. Je vous comprends pas comment personne n'a trouvé cette ville avant nous, avec des satellites. Comment c'est possible? Toujours rien qui marche de ton côté. Ah, ça c'est dommage, Biagio. Nous, on a enfin réussi, comme tu peux le voir, à passer le passage.
Et on a découvert juste après Libertalia, la célèbre cité des pirates, enfin la célèbre, la cité des pirates, l'utopie, elle existe bel et bien, malgré un petit doute de notre ami Nate, à pouvoir avoir passé 4 heures à affronter les Gatchorline. Il y croyait plus trop, hein. La vie est un peu moins merdique. C'est un complot de Google, ouais, mais je crois qu'il n'y a pas que Google qui a des satellites, à mon avis. Faudra regarder, tiens. Retrouver sur la. Je sais que ça ne se trouvera pas, mais sur les maps, genre. Où ça se situe sur la planète, pour voir si, si en regardant sur Google, on voit quelque chose. Même si, bien sûr, il n'y aura pas. Je rappelle, je suis sûr qu'on trouvera pas Paititi non plus, avec Shadow of the Tomb Raider. Autant qu'Itej qui était dans un glacier, je comprends qu'on la trouve pas, je peux comprendre. Mais ces villes à ciel ouvert, ce Rubalcali là. qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ici? Ouais, vas-y, le blette un peu là. Profite maintenant. Non, profite. On se repose. T'as vu, merci. Mais n'oublie pas. N'oublie pas le message d'Elena Fisher, Biagio. Après avoir réussi à pouvoir passer 4 heures sur ce passage. Voilà, pas de quoi se pavaner, hein. Ce n'était que un passage. Ouais, y a pas Google, l'armée américaine. Comment l'armée américaine elle voit pas ça là? Je suis sûr, elle a tout cartographié. J'en suis quasi sûr. Il a grossi. Attends, le nuage magique cache la vie. Ah, il y a un nuage magique. Ou alors c'est comme le Wakanda. Ils ont une technologie qui fait croire qu'il n'y a que de la végétation. Alors que c'est une ville bien développée. La plus développée d'ailleurs. C'était pas viable comme projet. Tu veux que je te dise, t'étais jaloux. Tu l'as toujours été. Non, mais je veux dire, à quoi pourraient bien ressembler nos vies si on s'était pas lancé à la poursuite de ces personnes qui ont vécu dans les temps anciens? Est-ce que tu crois qu'on aurait des vies un peu plus, je sais pas, ordinaires? Non. Bah, il y a une forte chance. Tu veux dire, comme ces gens qui se réunissent autour d'un dîner à Thanksgiving. Ouais. Les choix qu'on a fait me conviennent. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Tu te rends compte? On a énormément de chance. Tu appelles ça de la chance? Oui. Bon, moi, j'ai passé les 15 dernières années derrière les barreaux, alors tout est relatif. Ouais, ça va. C'est vrai que c'est 1000 fois mieux que la prison. 15 ans derrière les barreaux, 4 heures sur une phase de gunfight. Franchement, on fait un petit sondage, quel est le pire? Quel est le pire? Foutage de gueule de ma part quand même. Non, c'est quand même les 15 ans de prison, bien sûr. Surtout, c'est 15 ans de prison au Panama aussi, précisons. On a le forgeron ici. On va pouvoir réparer ton armure et tes armes, Biajo. GG là, il est où là? On veut réparer nos affaires. Ah ben voilà. Ben voilà. On va repartir ne fût-ce qu'avec ça. Même s'il est un peu rouillé, on repart avec ça, dites-le moi là. Mets-le dans ton dos là. On repart pas les mains vides. Ne fût-ce que la poignée. Je faisais un pirate. Ouais, j'avais compris. Je voulais juste te faire. Je sais. J'adore ce genre de passage. C'est quand même marrant. Tu penses qu'ils en vendaient à d'autres colonies? Si c'était le cas, ils devaient le faire en dehors de l'île. Autrement, on aurait entendu parler de cet endroit. T'as raison. C'est quand même génial ce petit passage. Hey Sam, vise un peu ça. On dirait comme un code de conduite pour pirates. Il marquait quoi?
Mais te mets pas devant là, j'essaie de lire. Ah, ou alors tu traduis. L'intérêt de cet endroit, c'était de vivre sans règles. Même les pirates ont leurs propres règles. The Wii. Non, he who deserts Libertalia in time of battle shall be punished by death. Celui qui dit quoi, dessert Libertalia en temps de guerre mérite la mort là. Ouais, ils sont pour la peine de mort, hein, Libertalia. Faut pas faire trop les cons. Y a pas la zonzon, c'est la prison. C'est la mouron. C'est là qu'on meurt. Bon, au niveau des trésors, on était bien. Voilà, une petite porte, là, on peut l'ouvrir. Ah, bien sûr, toujours fermé. Toujours fermé, 400 ans, même 400 ans plus tard. Même si c'est pas techniquement 400 ans, je sais plus combien je disais. Ça doit être dans les 1600, non? Pirates des Caraïbes, là, c'est quelle année, hein? Il y a un passage ou un truc. Attends. Pirate, c'est quoi? C'est Edwards. Robert Edwards, ouais, c'est quoi? C'est 1780, c'est sa mort. Il me semble qu'on peut reçu entre autres Edwards. Quoi, je peux y aller ou pas finalement? J'ai pas regardé, j'ai pas capté. Il y a un trou. Non, c'est autre part. Le petit chemin là aussi, c'est vrai qu'il y a un petit chemin. La fenêtre, par ici. Ouais, c'est par ici. Ah voilà, on a un petit trésor. Un vase mogol. Mogol. Ok. On pourrait prendre n'importe quoi, on récupère un vase. On y mettra des fleurs à la maison. Chambre d'enfant. Un lit comme les petits. Enfin non, ça c'est le berceau, ça c'est un lit d'adulte à l'époque ou pas? Je crois bien. Hein. Mais effectivement, où sont-ils tout le passé? Tout ce passé, il n'y a plus personne pour le moment. Capitaine Avery, je me demandais quand on allait vous voir. On doit peut-être voir des cadavres, non? Des squelettes? Ne fût-ce que ça? En 400 ans, en 1780, c'est ce que j'ai dit, oui, 1700. En même plus dans une ville de pirates, il faut bien un endroit où enfermer la racaille. Qui est-ce que les pirates pouvaient bien mettre en prison? Bah, des pirates. Une ville de pirates avec une prison. Bah, tu sais, il y a des cons partout, hein. Même chez les pirates. Depuis 200 ans, on a quoi? On ramasse un pot de pierre ancien, hein. Pourquoi pas, ouais. C'est certainement un petit pot où il... pour faire ses besoins. Ça devait être ça. Super, j'espère qu'il a été lavé. Ah, j'aurais dû aller à l'étage finalement. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage d'abord? Je veux voir, je veux le revoir, je ne sais plus. Mais il n'y a pas d'étage. Hé hey Sam, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. J'arrive tout de suite. Mais Sam, tu m'as fait peur. Nous avons des... Ça devait être une planque ou un truc du genre. Ouais. Mais de qui vous laisse cacher? Bah des pirates. C'est la résistance. Mais la résistance de quoi? On dirait que c'est un plan du quartier commercial. Ouais, et... Boum, voilà notre trésor juste là. Tu vois, elle est là, la tour. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer? Une attaque. Une attaque. Clairement. Il y a des flèches qui pointent la tour, hein. Mais réparer, oui, il faudra réparer effectivement Libertalia un petit peu. Il y a quelques petits travaux, menus travaux à faire. Hein. Je crois que j'ai quelque chose ici. Je l'avais trouvé, oui. C'est quoi ce symbole? J'en ai vu quelques-uns quand je venais te retrouver. Alors qui peut bien marquer ces endroits? Est-ce que c'est une sorte de sceau? C'est vrai, il y avait peut-être des problèmes au paradis, une société secrète ou des rebelles.
Il utilisait le terme rebelle, hein. La résistance, hein. Elle est là. Toujours la résistance, toujours. Là où il y a un gouvernement, il y a toujours de la résistance. Encore un petit trésor, là. Oh, on a trop de trésors. Ça me tue. Une bouteille en cuivre peinte. Ben voilà. Voilà un beau truc. Un bon petit souvenir, là. Une petite bouteille de rhum. Voilà notre sortie. Je vois de la lumière là au fond. Ouais, je vois aussi de la mort. Hein. Je vois surtout la mort, moi. Je sais pas vous. C'est pas vrai. Hey, j'ai trouvé le reste de la colonie. Juste là, hein, entre autres. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez vu, là, le petit bonhomme? Est-ce que vous avez vu Shoreline? Le trophée pacifiste, si je l'avais commencé, continue toujours. Hein. C'est le chapitre 13 et le chapitre 14. Nous sommes au chapitre 14. Je devrais, plus tard, on continue ici ce passage sans tuer personne. À l'aide. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu profité du passage aussi, parce que là, je dois vous avouer, repasser à une zone. J'espère qu'on n'y remettra pas 4 heures. Mieux le mec. Mais cette fois-ci, je suis aidé. Enfin, pour tuer, je suis aidé de Sam. Mais je crois que dans pour Pacifiste, les victimes qu'il fait comptent. Merde. Comptent comme si c'était moi qui les avais tués. Hein. Il me semble. Et flûte. Oh. Ben c'est bien, comme ça je vais pouvoir tirer à travers aussi. Ah, t'as aussi toi. Mais vraiment, le mec. Et il m'a eu. Il m'a eu, je reviens pas. J'espère que ça m'aura vengé. Encore une fois, toujours pas d'armes silencieuses, ce genre de choses, mais on a des armes dès le début, on a quelques munitions. On démarre quand même mieux. D'avoir fait tomber le baril, mec. À quoi ça a servi? Bon, va falloir. Il y a des barils explosifs, des petits tonneaux explosifs, apparemment, sur lesquels je peux tirer dessus, mais surtout, il va falloir retrouver un chemin. Allez, mais c'est lequel qui me repère? Mais allez, ce jeu qui veut tuer personne. Les jeux à run pacifiste qui t'offrent une IA alliée toujours prête à se mettre dans la sauce. Ouais, ça fait toujours plaisir.
Mais c'est que la moitié de la run, enfin c'est que deux chapitres, ou au moins... J'ai lâché. J'ai appuyé sur la touche pour lâcher. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Mais après, ça a revérifié si, si tu tues quelqu'un, ça compte, enfin ça t'invalide le trophée. Il me semble. Lâche-le, lâche. Putain, quand je veux pas lâcher, tu lâches. Tu lâches, et quand je veux que tu lâches pas, là. Il continue à m'embêter, dès qu'il y a de l'action, il fait plus rien. Hein. Mais oui, effectivement, toujours plaisir. Surtout, encore une fois, une phase quand même, ouverte, oui et non. Oui, plus oui que non. Et encore une fois, plein de gars sur 3 mètres carrés. Enfin, pas sur 3 mètres carrés, mais... Ça va être compliqué. Il va falloir retrouver un bon chemin. Pour essayer de soit le tuer le plus possible furtivement. Mais, ça serait bien qu'il descende. Il descendra pas. Il est chiant ce mec, hein, c'est tout lui pendant. Il me pose problème ce petit bonhomme. Ah. Il va voir son cadavre. Est-ce qu'il y en a un qui regarde? Il va voir le cadavre là, non? Il va voir le cadavre. Là. Mais non, il s'est pas fait buter, il fait la sieste. Par contre, ça me permet de le tuer. Ça m'a permis de le tuer. Tant mieux. Mais il fait la sieste, quoi. Ils ont plus le droit d'être des tirs au flanc hein, chez les Gatchorline. Incroyable! La police. Il savait... Non, mais tu sais pas que je suis là, je vais pas sortir de là, c'est... Il bluffe. Tu bluffes, Martoni. Mais il a bien raison de tenter, hein. On sait jamais, sur un accident, ça peut fonctionner. Ouais, bah essayez de bluffer comme l'autre. Ça a presque failli fonctionner. Y a rien pour me cacher. Non. Et flûte. Et les rebords. Ça et les IA qui... Attends. À qui tu peux donner ouais, des indications type se protéger, mais qui foncent quand même dans le temps en étant des healers. Merci, c'est toujours la faute du heal. C'est toujours la faute du heal, sache-le. Ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Jamais frustrant, non, jamais. Ah oui, moi je finis dans 10 minutes. Dans 10 minutes, il faut que je reparte. Donc, soit on réussit le passage, soit je meurs et je reprends la prochaine fois. Vas-y, là, tue-le. Ah non, mais c'est tous les deux des méchants. Mais tuez-vous entre vous, là, les quatre méchants, là. Où j'aille où, moi. On part là-bas, vous allez me dire. Il faut que j'aille dans la tour, là. Il faut que j'aille dans cette tour. Est-ce que... Eh, je peux. Je peux. J'étais pas sûr, je voulais tester. Mais je peux prendre les gens un peu comme ça, ok. C'est un peu idiot là. Est-ce que c'est pas un peu dangereux là? Et t'as Sam qui se balade en plein milieu. Ni vu ni connu. Ouais, la grenade là, t'abuses. Ah mais t'en as un là juste en haut, lui. T'en as deux là-haut. Est-ce que je suis bien placé, là, pour cette séquence? Bon, ben non. On va s'arrêter ici, quand même, parce que ça va être l'heure pour moi. De toute façon... Ouais, je suis 11h30, je reprends, on est mercredi, comme je le dis, enfin, comme on le sait.
Le mercredi, c'est plus court. Hein. Mais on aura réussi, c'est le principal, ça me fait extrêmement plaisir. Oui, donc c'est le jamais frustrant, enfin c'est où ces personnes, de toute façon, que tu leur dis de se protéger, ils se protègent pas. J'avais, c'était dans Tales of Auxilia. J'ai même fait une vidéo, mais je crois qu'elle a quand même attaqué, je crois Elise, là, le personnage. C'était le heal, je lui ai mis un truc, que du heal, elle fait que du heal, rien que ça. Genre t'attaques jamais, parce que j'étais en train de farmer un trophée où elle devait faire une action particulière. Ou en tout cas c'était moi qui devais faire une action particulière, mais si il commençait à tuer l'ennemi, ça me permettait pas de faire l'action, donc je l'ai mis que du heal. Et à un moment donné, elle a fait une contre-attaque, une riposte, ou je sais pas quoi, elle a tué l'ennemi. Je fais, mais allô, t'es en heal, tu fais que du heal en principe, pourquoi t'attaques? Pourquoi? Je trouvais un autre ennemi pour continuer mon forme d'action là, c'est chiant, hein, merci. Hein. Mais bon, tant pis. Trop mignon. Ouais, Elise, trop mignonne avec la peluche, mais sur ce coup-là, elle fait... Mais... T'es pas censé faire ça, madame. Pas de mademoiselle. Oui, il manque la possibilité de les traîner dans les airs pour les cacher, où je disais des petits couteaux de lancer, enfin, mortels, ou des petits cailloux, là, parfois, pour les attirer, parce que quand le passage d'avant, quand ils te repéraient, le mec, il faisait trois pas, pour, genre, il se rapproche de trois pas, façon de parler, où ils font trois pas sur le côté, puis ils regardent. Ouais, non, y a rien. Je dis, t'es à côté de l'endroit où tu t'as cru voir quelque chose. Tu t'allais pas voir quelque chose. Hein. Faut te rapprocher vraiment. Si t'as cru voir quelque chose à un endroit, tu vas à l'endroit. J'étais caché dans les hautes herbes, j'aurais pu les tuer. Ben non, les mecs, ils font pas d'efforts. Mais on a réussi. On a réussi, ouais, c'est ça. Ben bon, moi j'y passe. Hein. Et on voyait commencer à tirer quand même sur les ennemis. Hein. Peut-être qu'avec un peu de chance, si on réussissait à résister pendant 3 heures, il allait peut-être tous les tuer. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Qui doit le kill, qui doit garder des distances et garde, et qui va frapper au corps à corps. Ben ouais, c'est la faute du heal. C'est toujours la faute du heal, sache-le. C'est de renommée mondiale. Ouais, le titre, ouais, ça devait certainement pour un titre. Il fallait faire une centaine de fois ou une cinquantaine de fois une action pour chaque personnage. Il y en a un, c'était l'esquive pour aller dans le dos. Elise, c'était sharing is caring, elle devait partager, je crois, sa mana ou un truc du genre. Et j'étais en train de former une action comme ça, et puis elle a décidé de tuer les ennemis. Je fais bon, d'accord, merci, au revoir, des bisous. Bon, allez, merci à tous d'être passés. Je suis content d'avoir enfin passé le passage, je devrais pas le faire en off, en filmant. On va pouvoir continuer à reprendre, j'espère, demain, la suite de l'aventure sur Uncharted 4. Et j'espère surtout aussi bien avancer, parce qu'on a quand même deux lives où on n'a pas trop avancé finalement. Je regarde. Et si j'ai surtout pas de trucs. En cours de trucs en cours de route, de contre-temps. Demain matin, on devrait pouvoir faire un live, s'il n'y a pas d'empêchement de dernière minute. Bonne journée, merci. Et je le rappelle, parce qu'il faut le rappeler, c'est très important. Ouais, y a pas de quoi se pavaner. Voilà quoi, y a pas de quoi se pavaner. Hein. Sur ce, des bisous, à plus. Et bon courage, bonne journée à toi aussi, Vitini, remets-toi bien, au décourage, Biejo, Michael Red, si tu es toujours là en lurk, des bisous, et les autres, bien sûr, ça m'a fait très plaisir de vous voir, à plus, des bisous.